Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de LSPDFR. Donc aujourd'hui on est le peloton de haute montagne de la gendarmerie nationale et on va patrouiller pour la toute première fois en hélico de la gendarmerie. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner. Et j'ai également aussi créé un Discord si vous voulez me poser toutes vos questions. Le lien est dans la description. Donc la tenue et l'hélico. Vous pouvez retrouver ça également dans la description, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va faire principalement du secours, hein, des accidents, tout ça. Donc là, on a été appelé d'ailleurs pour un accident de la route. Donc on va aller s'y rendre tout de suite. Donc j'ai installé un petit mode. On va pouvoir descendre en rappel de l'hélico. Vous allez voir, ça va être assez stylé. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc là, avec l'hélico, ce qui est pratique, hein, c'est qu'on a accès partout et rapidement. Parce que là, on est dans les montagnes, vous voyez. Il y a encore un peu de neige d'ailleurs. Hop, là, on est au-dessus. Alors, c'est où? C'est sur la... Ok, c'est sur cette route-là qu'il y a un accident. Alors, on va descendre un petit peu parce que là, je vais pas descendre en rappel d'ici. Ça fait un peu haut quand même, hein. Hop là, je vais me mettre ici. Ok, je le vois en plus. C'est un camping-car, je crois bien. Ok, je vais descendre en rappel. C'est parti. Et hop, jette la corde. Il faut attendre que la corde descende tout en bas. Ah ouais, c'est un peu haut quand même là. J'aurais peut-être dû descendre. Ok, c'est parti, je me lance. Tu contrôles l'hélico, Patrick là. Oh là, c'est parti, c'est pas. Ok, ok, ok. Ouais, je suis un petit peu haut quand même. J'aurais peut-être dû descendre un petit peu encore. C'est pas grave. C'est la première. Ok, donc là, il y a un véhicule, deux véhicules accidentés. On va aller voir ça tout de suite. Hop là. Merci Patrick, tu m'attends. Hein. Ah bah il est parti. Ah bah il est parti. Ah bah ok, bon, je le rappellerai tout à l'heure. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, ça... ok, mais il y en a deux des véhicules. Il y a du monde là-dedans, je crois. Bah oui, il y a quelqu'un là. Ok, donc je vais appeler les pompiers. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah ils sont là. Ah, bah, d'accord. Ok, bon, c'est pas grave. Il y a un petit bug. Allez, on va sortir la dame du véhicule. Allez, prenez-la en charge là. Prenez-la en charge. Je vais m'occuper de celui-là. Faut le sortir. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, je vais te le sortir. Hop là. Voilà, tu peux t'occuper. Hey, tu peux t'occuper de lui. Bah non, il revient. Oh, il est bête. Ok. Mais pourquoi ils ont peur comme ça? Bon bah, je sais pas ce qui se passe. Les pompiers veulent pas intervenir. Donc moi je vais appeler la police scientifique carrément. Hein. Et hop. Je vais dégager la route. Parce que je suis là pour ça. Pour rétablir la circulation. Hop là. Mettre le véhicule ici. Et le camping-car là. Je vais le dégager aussi. Ah bah il marche plus. Ah bah il est mince. Il roule plus le camping-car. Bon bah je vais appeler une dépanneuse. La dépanneuse, ok. Hop là. Parfait. Attendez messieurs dames, hein, ça va repartir la circulation. Je vais appeler une dépanneuse pour le véhicule de pompier du coup. Voilà. Et voilà, c'est parti. Hop là, c'est bon, vous pouvez repartir. Bon bah nous on est reparti, on va retrouver l'hélico et on va se faire une petite une autre intervention. Allez c'est parti, on y va. Là on part sur une personne qui se sent pas bien je crois. Donc on va aller intervenir tout de suite.
et rapidement. C'est dans cette petite ville là apparemment. Hop là. On va se poser là, il y a la place pour se poser en hélico. Donc on va se poser, on va pas descendre en rappel. Alors c'est juste ici, on va se poser ici là dans le champ. Voilà, ici c'est parfait. Attention quand même. Doucement, et hop là, oula, et... ah, la vache. Oula là. On s'est pas trop. On s'est pas posé en douceur. Hein. Allez, on va voir ce qui se passe là-bas. Ah, je la vois. Je vois la personne. Hop là. Elle est sur la route. Et ouais, elle est au milieu de la. Elle a une arme? Elle a un taser. Elle a un taser. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une arme, elle a une arme, elle a une arme. Eh, bonjour, jetez votre arme. Jette ton arme, jette ton arme là. Jette ton arme, dépêche-toi. Eh, je vais pas oublier de t'abattre quand même. Jette ton arme là. C'est la gendarmerie là. Eh, oh oh oh, il veut. Attendez, je vais le calmer direct. Je vais rafraîchir les idées à lui parce que là. Ok, parfait, il a acheté son arme, je crois. Allez. Maintenant, tu vois. T'as plus d'armes? Ok. Hop, mets-toi au sol. Tu crois. Tu vas aller où comme ça, là? Mets-toi au sol, dépêche-toi. Dépêche-toi. Attention aux voitures, quand même, hein. Voilà. Allez, hop, attention, il va se faire rouler dessus. Oula, c'est pas passé loin de sa tête, là. Et hop, ça, on va embarquer ça. Je vais appeler une équipe. Et ralentissez là, monsieur dame. Là. On ralentit là. Venez là, monsieur. Ah bah y a Maurice qui est là déjà. Tu m'embarques ça là. Eh, tu vas attendre 2 minutes toi, non? Faire tes papiers là et hop, t'as tout gagné. Allez hop, faire tes papiers. Merci. Vous pouvez pas attendre 2 minutes, non? Alors, qu'est-ce qu'on a sur vous, là, monsieur? Ah, bah tiens! Vous avez bien fait de klaxonner, dis donc. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, attends, Patrick, Maurice. Il est recherché par nos services, lui. Alors, monsieur, déjà, vous avez plus de permis. Et en plus de ça, vous êtes recherché. Alors, c'est pas à peine de faire le malin, là. Allez, hop. Tournez-vous. Je vais vous passer les menottes, là. Allez hop. Bah oui. Vous voulez lui faire le malin, bah voilà. Vous avez tout gagné. Allez hop. Mettez-vous à genoux là. J'ai appelé une dépanneuse pour votre véhicule. Vous allez chercher ça à la casse. Ah non, pas à la casse, à la fourrière, pardon. Et hop. Monsieur, vous êtes descendu là. Vous voulez que je vous contrôle aussi? Allez hop, pas de soucis. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Merci. Hop là, vous pouvez y aller, vous. Vous pouvez y aller, monsieur. Hop là. Bon voyage. Qu'est-ce qui... Ils sont pas patients, les gens, ici. Hein. Dis donc. Bon, bah, on y va, nous. On va retrouver notre hélico. Ok, donc là on était appelé pour un accident dans les montagnes, donc là on va pas pouvoir se poser en hélico. Ok, c'est là, il y a deux véhicules, donc je vais essayer de descendre en rappel. Hop, hop là. Mince, ça marche pas. Oula, l'hélico il s'arrête. Ok, je saute, j'ai mon parachute. Hop là, bon bah, je vais descendre en parachute. Hein. Ça va être plus rapide. Tant pis. Oula, je vais trop loin là. Oula, oula, oula vache. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, là ça fait mal. Ok, bon là, tant pis.
Oula, là il y a du dégât. Là il y a du dégât. Et regardez le petit lapin là. Il a même pas peur. Oula, c'est quoi qui grogne là? Il y a une panthère quelque part là ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un dans le véhicule là? Non, il n'y a personne dans celui-là. Et dans celui-là. Ah si, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un ici. Je vais être obligé d'appeler les pompiers. Mince, non, je monte pas dans le véhicule. Ok, je vais appeler les pompiers. Je sais pas s'ils vont réussir à venir ici. Est-ce que je peux y faire les premiers soins? Ah oui, je peux. Ok, je vais faire un massage cardiaque. En attendant que les pompiers arrivent là. Je sais pas ce qu'ils font. Attention all units. We've got medical aid requested in the Chilean Mountain State Wilderness. Là, à mon avis, on va la perdre. Je vais essayer de la réanimer, mais. À mon avis, les pompiers vont pas pouvoir venir ici en plus. Ah, les v'là! Ils ont réussi à venir quand même. C'est ici, les gars, c'est ici. Allez, venez, dépêchez-vous. Alors attendez, comment je fais pour m'enlever là? Bon, ok, on y va à deux mecs. Vas-y, je continue le massage. Tu fais ce que t'as à faire. Alors? Qu'est-ce qu'elle dit? Ok, je te laisse ton. Ah mince, elle est décédée. Mince. Bon, bah, on a tout fait pour la sauver, mais malheureusement. Elle est décédée. Ok, donc là on a été appelé pour une intervention. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un individu suspect, apparemment. Par ici. Donc hop, on va descendre ici en rappel. Hop là. Hop. Je vais descendre. Hop là, je suis descendu. Ok, donc là il y a un individu suspect par ici qui traîne. Ah, il est là! Il est là! Il est là! Eh, eh, eh! Qu'est-ce qu'il fait avec son bidon d'essence, lui? Alors attendez, je vais prendre le taser. Bonjour monsieur! Gendarmerie là, vous faites. Eh, eh, eh oh! Eh oui, je te parle là. Tu fais quoi avec ton bidon d'essence là? Voilà, d'accord. Canot. Non, non, non! Il va me tuer! Oh la vache! J'ai mis du temps à dégainer mon arme là. Il était malade toi? Mets-toi au sol, mets-toi au sol, dépêche-toi là. Tu te crois où là? Ouais, mets-toi au sol, je te dis là. Non mais oh! C'est pas toi qui fais la loi là. Dépêche-toi, dépêche-toi! Colle-moi pas comme ça là. Allez hop, mets-toi au sol, voilà, parfait. Allez hop, ça, on embarque. Allez hop, est-ce que je peux l'emmener? Ah bah non, l'hélico, il est resté là-haut. Bon bah je vais appeler une équipe de gendarmerie. Je sais pas si elle va venir jusqu'ici. Ils sont là. Venez là, monsieur, là, venez. J'ai entendu des coups de feu, non? Ah, regardez, c'est Maurice. Bah, ah bah il a disparu, Maurice. Il est où? Mais il est où? Ah bah il est là. Ok, tu m'emmènes ça, toi, à la gendarmerie, là. Tu le questionnes parce qu'il avait un bidon d'essence, il m'a tiré dessus, tout ça. Donc là, tu le gardes bien au chaud pendant au moins 48 heures. Hein. Bon, bah les amis, on va se laisser là-dessus. C'est la fin de cet épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire. Hein. Et à mettre un maximum de pouces bleus. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas que j'ai un Discord. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Allez, salut!